il est sur le point de discuter de Manxit et de parler de la vie dans la famille royale après avoir collaboré avec un grand nègre américain. Le livre devrait sortir à la fin de l'année prochaine. Le prince Harry s'en fout des sentiments de sa famille proche et peut faire ce qu'il veut, a affirmé un auteur royal. Le duc de Sussex travaille secrètement sur un mémoire depuis près d'un an, a-t-il émergé. Harry, 36 ans, a confirmé la sortie prochaine de son autobiographie lundi. Il est sur le point de discuter de Manxit et de parler de la vie dans la famille royale après avoir collaboré avec un grand nègre américain. Le livre devrait sortir à la fin de l'année prochaine. Dans une interview télévisée, l'auteur royal Robert Jobson, qui a récemment publié un livre sur le prince Charles, a affirmé que la publication du livre montrait que le prince ne se souciait pas des sentiments de certains membres de la famille. Il a déclaré « Je suis juste intrigué par cela, j'ai hâte de le lire, je pense que cela va avoir un impact énorme sur la famille royale et certainement sur les relations avec son frère à l'avenir. Mais ce que cela montre, c'est que Harry se fiche complètement des sentiments de sa grand-mère, de son frère ou de son père. Il s'en fiche, il a l'argent maintenant, il est indépendant de son père, il est indépendant de la famille royale et pense à peu près qu'il peut faire ce qu'il veut et il semble qu'il le puisse. Cela vient après qu'un sondage YouGov a révélé que près d'une personne sur 10 a déclaré qu'il n'aurait pas dû signer l'accord de publication, et la plupart ne le liront pas. Les deux tiers des Britanniques seraient pas du tout intéressés par la lecture du nouveau livre du prince Harry, plus d'un tiers déclarant qu'il était inapproprié pour lui de le publier. Dans un sondage mené auprès de 5808 adultes au Royaume-Uni, près de 40% ont convenu que la décision d'écrire le livre n'était pas la bonne. Quelque 15% pensaient que c'était assez inapproprié.